Journée spéciale vers un monde plus inclusif sur RZN Radio. Avec Okinéa, entreprise leader de l'accessibilité. À l'occasion de la journée spéciale vers un monde plus inclusif, nous mettons en lumière les belles initiatives à travers la France et direction Saint-Herblain près de Nantes pour découvrir l'APHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Mathieu Anoro, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de l'APHPP. Et alors, quels sont les constats qui ont poussé à la création de cette association ? Au fil de mes rencontres, de mes échanges avec des personnes handicapées, tout d'abord, bien entendu, mais des familles, des aidants, des acteurs politiques, des personnes engagées dans la politique du handicap, que ce soit au niveau national ou au niveau local, était qu'il manquait une structure indépendante de personnes handicapées qui ne se retrouvait pas justement dans l'offre associative pourtant très riche en France, mais dans l'offre associative handicap, avec l'idée de pousser la pleine participation des personnes handicapées, et ce, dans tous les niveaux de la vie en société. Mais également, et ça c'est un petit peu le côté différenciant de la PHPP, dans la vie citoyenne, faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à la vie politique, c'est-à-dire suivre des campagnes électorales, puissent être candidats, et puissent être élus, et puissent mener leur mandat d'élu dans un principe d'égalité des droits et des chances. On a plusieurs leviers pour faire parler du handicap et pour faire bouger les politiques publiques. On a des groupes de travail qui nous permettent d'échanger sur les différents items du monde du handicap et de l'accessibilité, donc l'inclusion scolaire, professionnelle, l'accessibilité, le sport, les aidants et en fait toutes ces thématiques qui vont enrichir notre livre blanc qui est notre plaidoyer, qui nous sert de base d'échange et on apporte à chaque fois des propositions. Et puis le deuxième levier également, c'est par un cycle d'événementiel, c'est-à-dire on crée des événements en province et à Paris sur des thématiques. Merci Mathieu Anoro. Un grand merci à vous. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de l'APHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. La journée spéciale vers un monde plus inclusif. Avec Okinéa, entreprise leader de l'accessibilité.